Bonjour, sommes les collègues d'Orane de Canillo et aujourd'hui, nous venons à présenter la boîte de la lecture. Présentation des élèves. Nous sommes les sixièmes de la classe de Macaron. Chloé, 11 ans. Amanda, 12 ans. Moi, 12 ans. Et Luc, 11 ans. Pourquoi avons-nous choisi ce projet? Nous avons choisi de faire ce projet pour que les petits lecteurs lisent à la nuit. Avec cette boîte amusante et qui utilise l'énergie solaire, on a pensé aussi que cela pourrait être le plus ludique de lire et on espérait aussi que les enfants lisent plus, tout économisant. Les énergies renouvelables, ce sont des ressources naturelles impossibles, comme le soleil, le vent, les animaux et les plantes. Ne utilisent pas de combustible, mais utilisent des ressources naturelles capables de renouvellement impossible. L'énergie solaire. L'énergie solaire est une source d'énergie qui dépend du soleil. Cette énergie permet de fabriquer de l'électricité à partir de panneaux photovoltaïques ou des centrales solaires thermiques, grâce à la lumière du soleil captée par des panneaux solaires. Nos hypothèses. Qu'est-ce que je peux lire à la nuit à l'aide de plaques solaires? Lire en plus, on pourra faire une boîte recyclée. Lire pour en économiser de la lumière, lire en plus avec cette boîte dans notre chambre. Au travail, les matériels, une boîte en bois, une plaque solaire, des livres, de la peinture bleue, du scotch, un pinceau et des ciseaux. Avant de faire notre invention, on fait les chemins de notre invention. Une boîte en couleur bleue. La décoration, un livre, un plaque solaire. La réalisation de notre maison. Première étape, on peint une boîte en bois en bleu. Deuxième étape, on change la boîte, on fait une boîte en carton et on la peint. Troisième étape, on met le livre dans la boîte pour que les livres soient plus organisés. Quatrième étape, on fait la décoration et on décore la boîte. Cinquième étape, on met la plaque solaire en dessous de la boîte. Et c'est de notre invention. Le problème est que la boîte en bois est très lourde, donc on a changé par une en carton. On a trouvé une solution. La boîte est moins lourde qu'avant. Le second problème est que la lumière n'est pas assez puissante. Donc on a changé par une lumière la plus puissante. Les coûts total de notre invention. En général, une mini plaque solaire coûte 12 euros. Vu que tout notre matériel est recyclé, on n'achètera que les plaques solaires. Le fonctionnement de notre invention. Réponse à nos hypothèses. Qu'est-ce que je peux lire à la nuit à l'aide de plaques solaires? Oui, parce que les plaques solaires chargent en les mettant au soleil et que je peux utiliser après. Pour en faire une boîte recyclée?
Oui, parce que les cartons et les papiers sont recyclés. Pour en économiser de la lumière? Oui, nous économisons avec les plaques solaires. Lirons plus avec cette boîte dans notre chambre? Oui, parce que si on la boîte à côté, ça te va donner le plus envie de lire. Et c'est amusant. Conclusion. Notre invention peut être nécessaire pour les humains qui lisent à la nuit. Donc notre invention est une bonne invention, économique et respectueuse avec les respectueuses de notre environnement, avec une queue très bas. Merci pour votre attention. Au revoir.